L'amendement n'est pas adopté. Nous abordons l'amendement numéro 402 présenté par Madame Rabault. Merci Madame la Présidente. Cet amendement rejoint l'intervention de Madame Dubié que je remercie sur les ICHN. Alors sur les ICHN, vous avez un indicateur, Monsieur le Ministre, dans votre programme 149, qui est l'indicateur 2.2, qui vise à avoir comme objectif d'augmenter la part des bénéficiaires de l'ICHN à 23,50% contre 28,50% contre 28,47% aujourd'hui. Si on veut augmenter cette part, il ne faut pas baisser le nombre de bénéficiaires de l'ICHN. Or, ce que vous faites avec le découpage, le prédécoupage qui a été fait sur les zones défavorisées simples, c'est que vous baissez le nombre de bénéficiaires de l'ICHN. Donc je me demande bien comment on peut parvenir à cet objectif dans l'état actuel des choses. Cet amendement vise à flécher un certain nombre de crédits pour qu'on puisse maintenir cet objectif. Alors, j'entends ce que va me dire le rapporteur. Il va me dire, oui, mais on prend dans la poche de Pierre pour habiller Jacques. Effectivement, comme les parlementaires n'ont pas la possibilité d'augmenter les crédits, il faut prendre dans une autre poche. Et c'est la manière dont cet amendement est construit. Mais je me permets d'insister sur ce point. Mais si d'aventure le ministre lève le gage, nous n'aurons pas ce problème de prendre dans une autre poche pour alimenter celle de l'ICHN. Si je me permets, monsieur le ministre, d'insister sur ce point, c'est que les pré-cartes qui nous ont été fournies sur les zones défavorisées simples sont scandaleuses. Scandaleuses parce qu'un certain nombre d'entre elles ont reposé sur des données fausses. Et vous le savez, votre ministère le sait, et votre ministère a refusé de prendre en compte des données corrigées. Vous savez, les chercheurs de l'INRA sont des gens honnêtes intellectuellement. Quand il y a eu des erreurs de calcul, ils vous ont transmis de nouvelles données. Votre ministère a refusé de les intégrer. C'est pour ça que je dépose cet amendement aujourd'hui. Donc je souhaiterais que vous puissiez nous donner un gage sur ce point. Je me permets aussi de signaler dans cet hémicycle que j'ai saisi le Conseil d'État à l'encontre de votre ministère. Vous n'étiez pas ministre à ce moment-là, donc ce n'est pas vous, évidemment, personnellement. Mais c'est scandaleux de faire reposer un découpage des zones défavorisées simples sur des données qui sont erronées. Je vous remercie, Madame Rabault. L'avis de la Commission sur cet amendement ? Monsieur le rapporteur. Oui, cet amendement n'a pas été examiné par la Commission des finances. Il vise à augmenter de 50 millions d'euros les crédits d'État alloués pour les indemnités compensatoires de handicap naturel, actuellement de 264 millions d'euros, dans la perspective de la révision des cartes des zones défavorisées. C'est une proposition compréhensible eu égard à l'importance de cet outil pour nos zones défavorisées, mais il paraît, de mon point de vue, préférable d'attendre que les travaux en cours sur la nouvelle cartographie soient connus, et donc j'émets un avis défavorable. Merci, Monsieur le Ministre, pour l'avis du gouvernement. Merci, Madame la Présidente. Madame la députée Valérie Rabault, vous connaissez parfaitement ces sujets. Pouvons-nous rejoindre là-dessus parce que, vous le savez, l'objectif de la réforme du zonage est de respecter à la fois des obligations communautaires et le zonage actuel, vous le connaissez, il date de 40 ans et il est totalement obsolète. Et donc, c'est pourquoi nous avons demandé, nous avons soutenu à ce que dans le projet Omnibus, nous puissions avoir ce délai de renégociation, de redéfinition de la carte et de l'ensemble du zonage. Parce que, effectivement, la première version qui avait été présentée par le gouvernement précédent montrait une augmentation nette du nombre de bénéficiaires, mais nous estimons que ce travail n'est pas achevé et n'est pas achevé correctement. Et donc, j'ai demandé à ce que nous puissions travailler ensemble, les uns avec les autres, pour redéfinir cette carte. Nous avons un peu de temps avec nous, devant nous et nous souhaitons travailler avec l'ensemble des parlementaires qui sont concernés pour ajuster cette carte au mieux, dans l'intérêt bien évidemment des territoires. Et puis, en l'état, et c'est pourquoi je ne peux qu'émettre un avis défavorable sur cet amendement, parce que il n'est pas possible de tirer des conclusions définitives aujourd'hui sur les besoins financiers que cette réforme que nous allons mettre en œuvre, que nous démarrons maintenant, va pouvoir générer. Donc j'émets un avis défavorable à votre amendement, mais je reste à votre disposition pour travailler sur cette cartographie, comme je le fais avec les autres représentants du Parlement. Je vous remercie. Madame Rabault, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Ministre pour ces éclairages. Moi, j'entends votre volonté d'associer les parlementaires pour qu'on puisse enfin
trouver, sortir par le haut de cette question de l'ICHN. L'ICHN, c'est un outil extrêmement puissant, pour, notamment pour les éleveurs dans les zones de coteaux. Donc, quand vous avez des terrains qui sont pentus comme ça, il n'y a que des vaches et des moutons qui peuvent aller dessus. Et donc, par conséquent, il est extrêmement important que ces territoires puissent continuer à bénéficier de l'ICHN. Sinon, c'est la fin de l'élevage. C'est la fin de l'élevage dans ces territoires. On se retrouvera avec des broussailles, on aura des feux qui démarreront, et ce n'est pas du tout l'intérêt de la France. Là, je ne parle pas que pour mon département. Je pense que dans de nombreux territoires, nous avons cette question-là. J'entends ce que vous dites en disant qu'on ne peut pas flécher des crédits de paiement pour 2018 si on ne connaît pas le zonage. Là, je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais peut-être que le gouvernement, dans sa sagesse, peut envisager des autorisations d'engagement. Parce que ça, ça permet d'avoir une perspective un peu plus à long terme que uniquement l'année 2018. Donc je vais, Madame la Présidente, retirer cet amendement, mais je souhaiterais que, si le ministre peut, nous a donné des gages, je souhaiterais vraiment que nous puissions, d'ici le printemps 2018, avancer sur cette question, et en reposant avec un engagement que votre ministère puisse intégrer les données corrigées. Parce que faire des cartes sur des données fausses, c'est quand même abracabrantesque, je trouve. Merci, Madame la députée.